السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في تتمة الامتحان الموحد الإقليمي السادس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية. La question 17, qu'est-ce que la partie de la conjugaison? Je conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Je, le verbe na, se laver les mains toujours avant de manger. Je me lave. Je se laver. Je me lave les mains toujours avant de manger. La deuxième phrase, demain, Raden, Réouliana, le futur. Demain, vous allez au sucre. Vous irez. Le verbe aller, Réouliana, irez. Au sucre. Nous question 18. Je souligne le verbe et j'indique son temps de conjugaison. D'abord, on a le verbe conjugué. On a le temps de conjugation. Nous ne manquerons pas de vitamines grâce aux légumes et fruits. Nous manquerons. On a le verbe l'oul. Radin Bino, le temps de la conjugaison, chnahoua. On a le verbe manquer. Le verbe, l'asliyalohoua, manquer. Je m'en rappellerai souligner la phrase. Had R-O-N-S, qu'est-ce qu'on a neuf, le futur. Futur. Ouf, la deuxième phrase. Il revenait. Il revenait contente à midi. Na a ité. Pourquoi est-ce qu'on a na a ité? Feu l'imparfait. Parfait. Très bien. Question 19. Je réécris le conseil suivant. On utilise l'impératif présent. Vous devez manger d'une manière équilibrée. On a la phrase. On va écrire l'impératif présent. Qui va gérer tout le monde là? On va écrire les pronoms personnels. Quand je dis le verbe direct, quand je dis manger, à des deuxième personne de singulier, de pluriel, pardon, il y a vous, manger d'une manière équilibrée. Manger d'une manière équilibrée. La question 20. Maintenant, je conjugue le verbe en conditionnel présent. Tu avoir. Avoir conditionnel présent. Je n'aurai pas d'été, non? Tu aurais. Pour 20. Tu aurais une bonne santé si tu mangeais équilibré. La question 21, je complète par le pronom personnel qui convient.
D'abord, on a les pronoms personnels. On finit la lecture du roman. La lecture du roman. Lula. Tania est tombée malade. À cause de sa mauvaise alimentation. On finit, pluriel. On, nif il. Je goulo, ils ont fini. Ils ont fini la lecture. Ni il au pluriel. Ils ont fini la lecture du roman. Elle prend l'oul. Tani est. Et elle a le verbe être. Deuxième personne. Pardon, troisième. Troisième personne de singulier. On a là e. Dial féminin. Je t'en ai dit une goulou. Elle. Elle est tombée malade à cause de sa mauvaise alimentation. La question 22. Là, je mets l'accent convenable. Tête. Tanzidulha. Accent circonflexe. Boulot. Chapeau. Ouf. Éléphant. Éléphant. Et. Les. Qu'est-ce qu'on accent aigu. Aux fenêtres. Fenêtre. Taïa, circonflexe, pâle tête. Monsieur, la question 23, je mets au pluriel les mots composés suivants. Anna, question 23. Un chou-fleur. Un chou. Fleur. Fleur. Ouais. Fleur. Il y a fleur. Fleur pluriel, reste quoi? Un. Ratouilité. Ratouilité. Chou. Chou. On va ajouter X. Et fleur. Taïa. S. Ratchou le pluriel. S. Obnisba. Un tire-bouchon. Un tire. Bouchon. Je n'aurai pas oublié. Un. Des. Tire. On se prend une. Tire, ma kay wallich fiha l s la ديال pluriel. Ou bouchon. Bouchon, allez-y do. S. Un tire bouchon. La question 24. On a. Je complète les phrases par ce, leur. Qui révise le sans réussir. Ceux qui révisent hadou li kayrajou dorostelhom leur. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ce réel CE ou la ce CEUX révise na ENT. Il y en a le pluriel. Ça se, allez, tu confles le pluriel.
ceux avec X. Ceux qui révisent leur leçon. Un nom, c'est pluriel, il y en a de l'eau. Leur avec S, leçon. Réussir. Réussiront. Point. La production de l'écrit, je complète les pointillés par ces mots manquants. Vache, mammifère, cuisine, aliment. On a un texte. Le 25. Le fromage est fabriqué à partir du lait de, principalement, mais aussi de brebis, de chèvres, de bouflonne et d'autres. La France reste le pays pionnier dans la fabrication de cette matière qui reste indispensable dans la mondiale. Alors, le fromage est un vache, mammifère, cuisine, aliment. Le fromage est un aliment. Le fromage rita est un aliment. Il y a un aliment. Fabriqué à partir du lait de Dielmen. Dielle vache. On va écrire vache, abkar. Principalement. Mais aussi de brebis, de chèvres, de bouflons et d'autres mammifères. Les mammifères sont les mordéates. Mammifères. الحيوانات اللي كيرضعوا وليداتهم لي ماميفير. Puis la France reste le pays pionnier dans la fabrication de cette matière qui reste indispensable dans le fromage est indispensable là ou la مهم في لي كويزين في يعني في المطابخ ولا في الطبخ مونديال. On va écrire cuisine. Cuisine. Eh bien, il y a le certif de l'homme, l'eau, l'aliment, tenia vache, telta mammifère, ou rabat, cuisine. Bon, l'expression de l'écrit, maintenant, dans le cadre du projet de classe, ton professeur t'a chargé de faire une recherche sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée pour notre corps. Rédige un paragraphe de 5 à 7 lignes dans lequel tu expliques ce que nous devons manger comme aliments. On donne des justifications. Alors, je n'aurai rien dit. L'oustad dialect, le projet de classe, je crois que c'est un acte que tu as. Tu as fait la mienne, de la بالنسبة للجسم ديالنا. وغيديج ان باراغراف غادي نكتبوا واحد النص اللي فيه من 5 حتى 7 ديال لي ليني ديال الاسطر دون لوكال تو اكسبليك سو كو نو دوفون مونجي نشرحوا فيه شنو خصنا ناكلو كوم اليمون كغداء اون دون دي جوستيفيكاسيون اون نعطيو تبرير علاش نجوستيفيو علاش خصنا ناكلو داك الغداء. Alors, on va écrire un paragraphe sur l'alimentation, est l'élément le plus important pour être en bonne santé. Alors, l'alimentation est l'élément le plus important pour être
bonne santé. Pour cela, lihada, pour cela, on doit avoir une alimentation riche et variée. On doit avoir une alimentation riche, ghaniya et variée ou mutanawwi'a, comme حلش هاد التغذية المتنوعة والغنية كم دي بواسون شنو كيكون في لي بواسون كي كونتيا دي كونتيان تنا لو بلوريال contient des glucides qui confirment les sels et des sels minéraux. Pardon, ma kibash. Minéraux. Des fruits et des légumes qui contient des vitamines, vitamines. On a du lait et des fromages qui contiennent des protéines, protéines et qui confirme justement les dohniyat, les lipides, des lipides. Ou l'eau et du lait et du fromage qui contient des protéines et des lipides, aussi que de l'eau. Ça veut dire d'avoir une bonne quantité de l'eau. Alors, on a l'alimentation. L'alimentation est l'élément le plus important pour être en bonne santé. Pour cela, on doit avoir une alimentation riche et variée, comme des poissons qui contiennent des glucides et des sels minéraux, des fruits et des légumes qui contiennent des vitamines, du lait et des fromages qui contiennent des protéines et lipides, aussi que de l'eau. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحصه. نتلاقاو في امتحان اخر.